gros bonjour, bonsoir. Et pour nous toutes, Namikoa, c'est toujours ami, nous, serviteurs, nous, merci Dieu. Si avec même plaisir, même l'amour, même fougue, même respect, nous toutes, gagnons pour l'autre, toute équipe là, à la One Baden, nous comptons rencontrer. Nous pourrons faire retransmission journal et méga matin. Méga, c'est Pigou Réseau Radio Haïtien qui est sous la terre bénie avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. WebTV, Radio Méga, Go Radio 1, l'IFES 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal, la Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Lundi 19 d'août 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le premier paraître journal Méga Matin pour semaine. Déjà, n'a pas une bonne semaine d'information. Toute équipe là, content de rentrer la carte aux amis auditeurs. Marcel Joseph a viré bouton et micro-présentation. Moi-même, Jean William Sever avec Daniel Daniel. Les amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue. Toute équipe là, matin, très content ensemble avec vous pour voter la carte dans le travail tout partout dans le pays et à l'étranger. Journal Méga Matin. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous porter pour nos journal la funéraire journaliste André Mac Odigé chanté 17 samedi 17 d'août là dans l'église Saint-Pierre Pétionville collaborateur lieu dans radio nationale à ancien collaborateur lieu tout est présent pour rendre un dernier hommage. Et un conseil ministériel a finalement approuvé budget rectificatif 2023-2024 là qui mettait nouveau enveloppe 254 milliards gourdes. Il y a un rabais 20% par rapport avec le dernier budget. La police qui confirme l'arrestation 16 individus parmi eux, 3 policiers et 2 journalistes. Qui se bat Daniel et Richelson, c'est né juste. Opération ça a fait jeudi dans l'hôtel envahi. Mais qu'à Fourita, Gessé, Présumé, Bandit, qui tombe en babal. Opération ça, parmi eux, Gazales, Blanco, allé à sa gros fanfan. Il y a évadé de prison qui était une relation. Avec un groupe vivant ça. Et important, par le PNH, Michel-Ange, lui, jeune, confirmé qu'il y a 4 policiers qui ont code pour un dossier de drogue. Dans le nord-ouest, pays, il y a des lots qui n'ont pas eu le moment de parler. L'administration, oui, gars, FM, lavé mal, t'as coupé là, dans le dossier, bah, Daniel, la radio a précisé, bah, t'as quitté la radio depuis 2 mois. Il y a un réseau qui a défendu le droit, Mounio, présentant un rapport sur la violence qui déclenchait dans le carrefour agressier. Il y a 66 mounes qui déjà mouru. 46 femmes victimes Kadejak. Ambassadrice Bahamas à Port-au-Prince, Jérusa Ali, visite base, mission multinationale. Pendant le week-end, la dîme était confiant, soldat pays, la vine des forces kenyans, yo, gomme contre Gangyo en Haïti. Pendant tout un week-end, ça, quartier Solino, pas suspend, si bien attaqué, en avec Azam, citoyen, yo, dans zone, ça, pas suspend, lancé SOS pour demander secours avec autorité dans l'État. Gouvernement a cherché, puis bon formule pour aider 2 millions de timons pour nouveau année académique. C'est dans ce sens pour les ministres organiser un gros bras. C'est l'idée. Bien tout là, direction immigration avec immigration annoncée, ils ont campé sur production nouveau passeport. Nos décisions ont pris à cause de la quantité de passeport qui bloquait le système là. C'est pour ça que diverses autres qui peuvent faire essentiel le journal là. Matin, amis auditeurs, pas oublier, n'amener pour nous traverser avec. Même exercice là, on connaît combien vous avez besoin. Pour capable acheter un dollar américain dans le journal d'Amérique. Pour nous porter pour les amis auditeurs, divers rubriques, Red Blanche et Naptolène et un badge. Nous avons annoncé ça dans le journal funéraire journaliste André Makoudigé, chanté samedi 17 d'août là dans l'église Saint-Pierre Pétionville, ancien secrétaire général primature là, Jude Charles Faustin, avec secrétaire général association journaliste haïtien yo, Jacques Desrosiers, qui a assisté dans la cérémonie funéraire là, bon côté ancien et puis actuel employé Radio Nationale d'Haïti, qui était venu rendre un dernier hommage, ancien directeur
information. N'a pas venu dans l'autre dossier dans le journal là, la police a confirmé l'opération Yomene. Jeudi passé dans un hôtel Carrefourita, côté gain 5 individus qui tombaient à Babal. La police parmi 5 individus, ça y est, qui tombaient, gagné un Casales Blanco, alias à Gros Fanfan. Ils s'est évadé prison, mais hôtel là, Gros Fanfan, c'est même gagné 400 Marozo à Kervi Vincent. Côté le dégagé un job, distribué Zama Gibbal. La police a arrêté 16 moun, parmi eux 3 policiers, dans la même série opération ça, qui mène dans la zone ça, ils ont posé la patte tous aux 2 journalistes parmi eux. Manata Daniel, qui dégagé en machine service l'État, exam là dedans. Un coup d'explication pour ta parole, PNH là, Michel-Ange Lujeune. Jour qui était jeudi 15 là. Après un filatier que la police te menait, ils menaient une opération dans la zone Carrefourita, dans un hôtel qui portait nom envahi. Dans le moment opération ça, 5 individus qui étaient armés lourdement, arrivés mortellement blessés, après échange coup de balle avec la police. 3 dans les armes saisies, parmi eux 2 manches longues. Parmi 5 individus qui arrivaient stopper ça, dans l'échange coup de balle avec la police, gagnait un certain Casales Blanco, qui était un synonyme Gros Fanfan, qui est propriétaire hôtel ça, envahi. Casales Blanco, c'est un évadé prison qui était écroué sous la pénitentiaire nationale, sous le nom ça. Gros Fanfan, tout, c'est membre association criminelle qui relève vivre ensemble. Travaille, c'est porter munitions à ZAM dans tout foyer gang ça. Dans le moment opération ça, la police a arrêté 13 individus, parmi eux 3 policiers. Malheureusement, dans le cadre opération ça, nous avons un policier qui est légèrement blessé et qui pour l'instant qui prend soin de l'hôpital que cal nécessité. Toujours dans le cadre opération ça, la police rive saisi un pistolet russe, un pistolet russe PT-08-809, série TFW-17-407 avec un chargeur. Un fusil M14 que nous capables de constater là avec 10 chargeurs. Un couteau Holter, un permanente, 3 téléphones Android, Max Samsung couleur noir et gris, un Motorola couleur bleue. Un petit téléphone avec bouton Macatel couleur gris, 173 cartouches de couleur de calibre pardon différent. Un véhicule de marque Ford Explorer couleur blanche sans plaque. Toujours dans le même périmètre ça, opération la police nous a continué. Nous avons arrêté 2 journalistes que nous avons gardé là. Un journaliste ça c'est Banat Daniel et Richelson Sénéjuste. Michelson, c'est n'est juste à travailler dans la radio Panou, tandis que le journaliste Banat Daniel a travaillé dans la radio Regard. Monsieur Sayo, il était dans une machine, service plaque de l'État, SE06202, un Toyota Land Cruiser couleur blanche. Dans la machine, ça, la police était jointe en possession de Monsieur Sayo. Un fusil Mac Ruger, série 480. 10-4-8-4, 480, 10-484. 2 pistolets de Mac Glock 19, génération 4, calibre 9 mm, série PW-539, avec un chargeur qui dégaine 15 cartouches. 10 250 gouttes, 4 blocs chéquiers, qui sous le nom Banat Daniel, à pièce d'identité. 2 téléphones portables. Yon Mac Samsung, couleur noire, et puis yon iPhone. Pas oublier tout, permettre de retourner sur l'opération et hôtel là. Perquisition qui fait matin dans l'hôtel là permet que vous découvriez l'uniforme ça on a gardé là, sous table là, uniforme la police. Pas oublier, nous toujours dit, nous journalistes, il y a des bandits qui mettaient l'uniforme la police là qui a opéré. Donc, dans le cadre d'opération ça, mais on série dans l'uniforme ça que nous jouons dans l'hôtel envahi. Saisie de drogue, la police. Voilà, amis auditeurs, tape côté intervention porte-parole PNH là sous opération la police menée. N'a toujours été avec porte-parole PNH là puisqu'elle t'a profité parler quelques autres dossiers tant coup 11 prisonniers qui mouri dans tentative évasion en prison Saint-Marc là dans Nord-Ouest, des 4 policiers qui dans isolement parmi un inspecteur division avec un commissaire, des 2 autres policiers qui étaient à la répion côté une autre fois Michel-Ange Lujeune. Patman NIP privé saisi 5.5 kg cocaïne et 4.4 kg marijuana à bord d'un bateau qui est destiné. Ils ont arrêté 3 personnes
qui c'est Claudie Joseph, 24 ans, Jeannot Aurélien, 25 ans, et Frisner Selos, 45 ans. Dans le moment où on a parlé à là, bateau ça arrivé confisqué. Monsieur Sayo y a auditionné, enquête là dans le département l'île déclenché. Il y a plusieurs autres mondes qui répondent à la question de la police avec la justice. Dans le nord-ouest, toujours dans ces droits, dans le dossier de drogue, il y a une information qui est disponible de un scandale qui pétait dans le nord-ouest. Le scandale ça, il y a un pouvoir à 130 kg de cocaïne. Commandement, la police là immédiatement déclenché une enquête. Dans le moment où on a parlé là, il y a une délégation inspection générale qui est déjà dans le département et aussi il y a une délégation de la DCPJ qui est déjà dans le département parce que ça a arrivé, il y a une enquête administrative, ça a arrivé tout, il y a une enquête judiciaire, il y a plusieurs monde qui a questionné. Dans quatre dossiers, ça, il y a quatre policiers qui sont déjà dans l'isolement. Parmi eux, deux agents, il y a un inspecteur divisionnaire et un commissaire principal de police. Tandis que il y a deux autres agents qui ont pris la fuite et l'investigation permet de déjà repérer et qui côté et avis de recherche et ont lancé via Interpol. Certainement, il y a qu'à arriver épingler M. Sayo et retourner yo par devant autorité policière et judiciaire en Haïti pour être capable de répondre des actes. Dans Bois Coden, toujours dans la question de drogue, il y a une localité dans la section communale Belle Orange, commune Bellance. La police et la justice arrivent détruits sous un carotteur et demi, un champ marijuana. Champ marijuana, ça, enquête ouverte. Et la police a des informations sur propriétaire vaste et les gens qui sont impliqués de près ou de loin. Enquête l'a ouvert et en temps et lieu, n'a pas capable d'informer la presse qui s'alte exactement. La PNH a continué enquête pour arriver à mettre en bas code tout le monde qui arrivait impliqué dans ça. N'a pas informé la population en tout, matin, bon, il était qu'à 2 heures comme ça, bandit attaqué prison civile Saint-Marc là. Côté plusieurs prisonniers prend la fuite et yon la dan yo, grâce à mariage police-population qui commençait à bailler résultat, yon rive mette men sou yon nan yo nan ville Akaye et yon retourne par devant autorité. Dans l'échange coup de balle avec la police avec bandit yo gagne malheureusement 11 évadés qui mortellement. On t'a pas écouté la porte-parole PNH là, Michel-Ange, lui jeune, lui-même qui fait bilan, ça qui a passé dans le pays à opération, la police mène sous dossier journaliste Banata Daniel, gagnant direction générale Radio Rega FM. Il y a après même avec un confrère, conseil la presse ensemble avec tous les citoyens. Arrestation journaliste Banata Daniel qui était animé émission Rega Actualité chaque 6 heures. Dans l'après-midi, ça fait plus passer 2 mois, Banat n'a pas animé émission ça encore sous 92.7 là. Donc nous regrettons d'arrêter un membre de la presse là dans condition ça. Nous-mêmes dans la radio Rega FM, nous pas qu'à ne préjuger ni juger, c'est pour ces paroles nous. Nous pas gain compétence pour ça, mais nous croyons la police avec la justice ça peut permettre vérité blayi dans cadre dossier ça. Nous croyons dans la Bible qui dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Nous croyons dans la disposition la loi qui dit en droit pénal la responsabilité ne peut être retenue qu'à l'encontre de l'individu qui personnellement commis l'infraction. C'est ça y aurait les principes responsabilité personnelle là, personne pas de responsable pour personne et c'est mon qui responsable ça le fait. Là, c'est parole responsable yo nan radio Rega FM nan on note yo mette dehors. Pour yo fini, nous espérons dans situation ça, journaliste là a joui tout droit loi pays d'Haïti à convention internationale yo Haïti ratifié Bali. Ça nous ka di kounia pendant nous obtenons plus d'informations sous dossier ça et c'est direction radio Rega FM les mêmes qui ainsi hein note ainsi là nous parlons dans l'alliance nous te promettre ça amis auditeurs avec Jean-Michel Josieu qui pral dit nous est-ce que le possible pour capable traverser 5 heures sauté zone Kafou Vincent Kafou Douya. Bonjour Jean-Michel.
Là, au niveau de Kazo, mais pour m'attendre, j'ai remarqué seulement quelques grands citoyens qui ont investi là, il y a là. Tes amis auditeurs, mais heureusement, collaborateur nous, Jean-Michel Josué, Guetta Banou, majorité information sous zone li passé. On va aller dans Saint-Marc, nous pour aller dans Saint-Marc, question évasion qui est faite dans la prison civile Saint-Marc pendant le week-end, notamment vendredi. Eh ben, selon le commissaire gouvernement à Saint-Marc, la plus passé 10 prisonniers mourus, 4 sortis blessés, plusieurs autres sauvés, 2 policiers blessés, c'est bilan évasion qui fait dans la prison civile Saint-Marc là, vendredi 16 d'août là. D'après le commissaire gouvernement Saint-Marc là, Vincent François, c'est prisonnier qui est dans la prison, qui a attaqué prison, hein. T'es gagné prisonnier qui t'es gagné ZAM, nan, mais eu, infirmerie, greffe, laboratoire, bureau, chef, poste là, dans toi, pas la situation. Ça, pour qu'on y a autorité déjà, prend contrôle situation de côté Vincent François. Président Lisée là, il est en bonne santé. Il n'y a pas de parmi nous qui est évadé. Bon, suivant l'information que nous n'avons que pas confirmée, il y a pas de bon, situation en dedans prison, côté que le détenu a tenté de créer la prison. Et le nom est venu, effectivement, il a déjà joué une prison très enflammée. Côté que le détenu a été, après grillage, et cellule ouvert, crasé grillage, ils ont mis du feu dans toute l'administration de prison. Côté d'autres policiers, et pharmacie, magasin, dépôt, bureau chef de poste, etc. Ils ont pris tout effet personnel et policier. Et crasé magasin, ils ont pris un Il a tiré bouteille, il a tiré roche pour noter contrôler la situation jusqu'à ce que la police arrive pénétrer la cour. Nous avons contrôlé la situation depuis midi. Ok. Depuis avant midi même. Mais maintenant, on est dans l'hôpital. Maintenant, tout est détenu dans la cellule. Pendant que nous lançons un travaux de réparation, de grillage, etc., nous avons bossé maçon. On a cherché pour, parce que j'ai utilisé masque et j'ai utilisé matos pour écraser cellules pour que nous travaillions ça dans le fait actuellement. Donc, évasion ça nous. Toute administration, tout le fait à ma confinée là-dedans. Voilà. Donc, évasion ça, est-ce que l'autorité au niveau Saint-Marc n'a pas connu côté le souci? Et bon, suivant ça, avec ça, les agents ont rapporté nous, c'est à. Et depuis hier soir, j'étais en rébellion parce que j'étais dit au grand goût, j'ai besoin de manger au bagageon. Prison Saint-Marc sont prison qui. Est-ce que le gaz ici traité en parent pauvre ou pas, mais non, on est Saint-Marc enclavé. Pour manger, sortir votre presse pour venir Saint-Marc.
parce que manger, c'est pas sur place manger, la nourriture achetée. Okay. C'est important que c'est leur côté sorti pour venir pas trop facile. Qui veut dire que depuis un bon bout de temps, si c'est pas diligence, dynamisme et responsable mieux, en pile fois, situation c'est produit, t'es produit déjà. Mm-hmm. Parce que en plus fois, pas bien manger. Et matin, ils ont dit, ils ont mettez ouvert cellule pour te faire ou bien. Et puis, ils ont décidé de pas rentrer dans ces lieux. Et puis, c'est là, situation vient dégénérer. Côté que, ils ont envahi leur cellule, ouvert pour ouvert grille à jour. Et puis, aller, c'est, envahi magasin, envahi dépôt, etc. Prendre armes, tirer. Et suivant l'information que nous avons reçu à bon côté agent, ils ont même rêvé parti avec ça, policier. Oui, mais Bamando, est-ce que il y a des détenus ou même qui mourent? Oui, mon chézène qui mourent. Ok. Et ça, nous-mêmes, nous appréhendons les cas combien? Et, bon, ça, normalement, ça qui est évadé, actuellement, c'est dans deux comptes là, non, il procédure à peine nominal. Pour le présent, moment, c'est dans l'hôpital, là, on vient évaluer les quantités qui blessent, les quantités blessées. C'est non, sans médical, on est là, côté, on vient évaluer quand c'est blessé, bon, quand c'était d'évacuer, et mettre dans le commissariat, parce que, ils ont déclaré pour eux, pour permettre que nous ayons une possibilité pour nous rentrer tout dans ces lieux. Et c'est des comptes à l'enfer pour le présent moment, que nous n'avons pas beaucoup de chiffres à tout le temps. On n'a pas gagné un policier qui est blessé, qui mourit. On gagne un policier qui touche dans le pied, et puis nous avons l'autre qui progresseront, l'autre forme de fracture, dans le bras et dans le cou. Puis loin, le commissaire gouvernement Saint-Marc Lavanson François souligné prisonnier qui tape sauvé yo, t'as les âmes sous Blaise Élysée, ancien magistrat commis de pour te sauver avec tout, d'après responsable qui confirmé Blaise Élysée, papa mi prisonnier qui sauvé ni mourir dans sens ça, commissaire. Voyez signal par individu qui passait au carvin, mettait commune Saint-Marc tête en bas, ça pas passé, il a déjà pris disposition pour ça. Vanson François. Blaise Élysée là, il est en bonne santé. Il n'y a pas de monde qui est évadé. Bon, suivant l'information que nous pas confirmé à partir de lui-même, ça a même dit que des pieds qui ont tenté, qui ont évadé, qui ont même tenté, et m'a dit que sorcier, il était même allé ça le souligner, mais il n'est même pas tout le temps, il était dans ses lieux. Commissaire Messampi, le bon dernier message. Bon, et puis c'est ce qu'il a dit avec Mounio, il faut comprendre que oui, pour une raison pour l'obtention de la détention, c'est pas une raison pour penser que les maisons sont évanouies ou les maisons sont en prison, parce que si ça arrive une fois, bien nous vont côté, le pas oublier de tout côté, et que nous-mêmes nous avons tout déterminé pour nous dire que c'est pas crasé, nous avons toujours fait tentative, quand même quelqu'un qui est évané, mais nous n'avons pas quitté pour nous parler de l'ancien pas écrasé. Et c'est tout comme tout, nous qui étions qui mettait des volumes pour rentrer ces matins, pour qu'on les cabine de ça ouvrir, nous ne pouvons pas abandonner et ne pas quitter ça arriver. Et n'a pas campé, n'a pas toujours campé. Et notre direction va attaquer nous, on dit dimanche on a répondu. Voilà, amis auditeurs, t'as écouté comme c'est gouvernement Saint-Marc là, Vincent François, toujours sous même dossier, ça a gagné un couvre.